Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien. Soyez le bienvenu à Storytime with Tante Christine. Great having you here. Don't forget to push that subscribe button. Come on everybody, we are ready. Welcome. Hello children. It's another Storytime with Tante Christine where you get to listen to your favorite stories in French and in English. Do not forget to hit that subscribe button. I'm so excited and I hope you are. So listen to today's story and ensure you learn some new French words. Écoutez bien. Okay, children, it's time to continue with the story of Tracassin, Rumpelstiltskin in French. Let's see how the story ended and don't forget to learn more French words. Voici 100 bottes de foin, dit le roi. Et il y a 10 gardes derrière la porte cette fois. Personne ne peut t'aider. Here are 100 bundles of hay, said the king, and there are 10 guards behind the door. This time, nobody can help you. J'espère que tu ne mens pas, chère Sophie, dit le roi. Mon enfant. Souviens-toi, tous les menteurs seront donnés à manger aux crocodiles. I hope you do not lie, dear Sophie, said the king, menacingly. Remember, all liars will be fed to the crocodiles. Tout le monde partit. Sophie était seule et il y avait 10 gardes derrière la porte. Everyone left. Sophie was alone, and there were 10 guards behind the door. Encore une fois, Sophie savait quoi faire. Elle regarda partout dans la pièce. Elle regarda sous la table. Elle regarda dans l'armoire. Petit homme, murmura-t-elle. Où es-tu? Once again, Sophie knew what to do. She looked around the room. She looked up. She looked under the table. She looked in the closet. Little man, she whispered. Where are you? Elle regarda encore et encore, mais le petit homme n'était pas là. Sophie s'assit et pleura. Elle sombra vite dans un profond sommeil. She looked and looked, but the little man was not there. Sophie sat down and cried. She sank quickly into a deep sleep. Lorsqu'elle se réveilla, elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Chaque brindille de foin avait disparu et il y avait un énorme tas de vêtements en or sur le plancher. Le petit homme était assis au sommet du tas. When she woke up, she could not believe her eyes. Every bundle of hay was gone, and there was a huge pile of gold clothes on the floor. The little man was sitting on top of the pile. Oh, merci, cria Sophie. Je pensais que j'allais servir de repas au crocodile. Monsieur. Le petit homme sourit. Monsieur, le petit homme sourit. Et maintenant, qu'est-ce que tu as pour moi? Demanda-t-il. Oh, thank you, cried Sophie. I thought it was going to be crocodile food for sure. The little man smiled. And now, what do you have for me? He asked. Ce bracelet de saphir, dit Sophie. Non, je n'ai pas besoin d'un bracelet, dit le petit homme. This sapphire bracelet, said Sophie. No, I don't need a bracelet, said the little man. Ces boucles d'oreilles en argent, soupira Sophie. Non, je ne porte pas de boucles d'oreilles. The silver earrings, suggested Sophie.
No, I don't wear earrings, said the little man. Sophie se mit en colère. Je n'ai rien d'autre à te donner, dit-elle. Je sais ce que je veux, dit le petit homme. Dans de nombreuses années, tu me donneras ton premier nez. Sophie became angry. I have nothing else to give you, she said. I know what I want, said the little man. In many years, you will give me your firstborn. Quoi? Non! Cria Sophie. Je dirai au roi que tu es de menteuse, chuchota le petit homme. Sophie n'avait pas d'autre choix. Elle accepta l'offre du petit homme. What? No, cried Sophie. Or I'll tell the king that you're a liar, whispered the little man. Sophie had no other choice. She accepted the little man's deal. Le roi revient. Lorsque le roi ouvrit la porte, il fut stupéfait. Il y avait un énorme tas de vêtements en or, empilé du plancher au plafond. The king returned. When the king opened the door, he was astounded. There was a huge pile of gold clothes stacked from floor to ceiling. Tu es vraiment merveilleuse. Tu es vraiment merveilleuse, dit-il à Sophie. Tu peux partir, mais peut-être un jour pourrais-tu m'apprendre à tricoter aussi? Sophie accepta. Elle s'enfuit du palais aussi vite qu'elle le put. You really are amazing, he said to Sophie. You may leave. But maybe one day you could teach me to knit too. Sophie agreed. She fled the palace as fast as she could. Des années passèrent. Sophie devient une femme intelligente et accomplie. Elle épousa un homme bon. Ils eurent un petit garçon. 10 years passed. Sophie grew into an intelligent and accomplished woman. She married a good man. They had a little boy. Un matin, Sophie jouait avec son fils dans le jardin lorsqu'elle entendit cet étrange petit rire. Ma ha ha, qu'est-ce que tu as pour moi? Le petit homme sortit de derrière un buisson. One morning, Sophie was playing with her son in the garden when she heard that strange little laugh. Ma ha ha, what do you have for me? The little man came out from the bush. Non, tu ne peux pas le prendre. Hola, Sophie, elle sera le bébé contre sa poitrine. Elle pleura encore et encore. You can't have him, screamed Sophie. She hugged the baby against her chest. She cried and cried again. Nous avions un accord, ma chère. Nous avons un accord, ma chère, dit le petit homme. Mais je vais te faire une autre offre. Deviens mon nom. Si tu dis mon nom, tu peux garder ton fils. Tu as 3 jours. C'est d'accord? Sophie pleura. C'est d'accord. We have an agreement, my dear, said the little man, but I'll make you another deal. Guess my name. If you say my name, you can keep your son. You have 3 days. Is it a deal? Sophie cried. It's a deal. La nuit suivante, le petit homme revient et Sophie essaya tous les noms courants. Est-ce Bertrand? Non? Est-ce José? Non? The next night, the little man returned and Sophie tried all the common names. Is it Stéphane? No. Bertrand? No. Is it José? Non. La deuxième nuit, elle essaya quelques noms
moins courant. Est-ce Barthélemy? Non. Est-ce Philibert? Non. Est-ce Ambroise? Non. La deuxième nuit, elle essaya quelques noms moins courants. Est-ce Barthélemy? Non. Est-ce Philibert? Non. Est-ce Ambroise? Non. OK. The next night, she tried some other unpopular names. Is it Barthélemy? No. No. Is it Philibert? No. Is it Ambroise? Non. La troisième jour, Sophie était en panique. Elle alla se promener dans la forêt. Il se faisait déjà tard. The third day, Sophie was panicking. She went for a walk in the forest. It was already late. Ses pieds sont pointus. Les Norvégiens. Pensa-t-elle. Alors, son nom est peut-être genre, mais son nez est rouge, comme les Australiens. His feet are pointed like Norwegian, she thought. So maybe his name is Jean, but his nose is red like an Australian. Alors, peut-être que son nom est Kent, mais son chapeau a l'air touc. Alors, peut-être que son nom est Mustafa. So maybe his name is Kent, but his hat looks Turkish. So maybe his name is Mustafa. Sophie alla de plus en plus loin dans la forêt. Elle enjamba des bûches et rampa sur des rochers. Puis tourna en coin. Elle fut très surprise de voir une petite maison. Sophie went further and further into the forest. She stepped over logs and climbed over rocks, then turned the corner. She was very surprised to see a little house. Une femme était assise sur la porche. Elle tricotait des vêtements de bébé et chantait doucement. Elle avait le collier de Sophie au cou. Elle avait la bague de Sophie au doigt. The woman was sitting on the porch. She was knitting baby clothes and singing softly. She had Sophie's necklace around her neck. She had Sophie's ring on her finger. Cracassin, cracassin, mon amour. Peux-tu venir ici? Appela la femme. J'ai besoin de ton aide pour tricoter. Et devinez qui apparut à la porte? C'était le petit homme. Cracassin, cracassin, my love, come. Can you come here? Shouted the woman. I need your help to knit. And guess who appeared at the door? It was the little man. Sophie se cacha derrière un buisson. Quelle chance! Elle courut chez elle aussi vite qu'elle le put. Sophie hid behind the bush. What luck! She ran home as fast as she could. Cette nuit, le petit homme vient voir Sophie. Le petit homme avait l'air très heureux. C'est l'air, ma chère, dit-il. Alors, connais-tu mon nom? That night, the little man came to see Sophie. The little man looked very happy. It's time, my dear, he said. So do you know my name? Est-ce Non. Est-ce Non. Est-ce Is it Trismegiste? Non. Is it Tractopelle? Non. Is it Tracassin? Non. Le visage du petit homme devint rouge de colère. Oh! Il hola et cria et tapa des pieds. Comment as-tu su mon nom? Comment as-tu su mon nom? The little man's face turned red with anger. Ah! He screamed and shouted and stomped his feet. How did you know my name? How did you know my name? Puis, il s'arrêta et pleura. Il leva les yeux vers Sophie. Nous aurions beaucoup aimé ton fils.
chuchota-t-il. Le petit homme essuya ses larmes avec un mouchoir jaune et disparut. Then he stopped and cried. He looked up at Sophie. We would have loved your son very much, he whispered. The little man wiped his tears with a yellow handkerchief and disappeared. Après ça, Sophie et sa famille vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps, comme dans les contes. Mais qu'arriva-t-il au petit homme? After that, Sophie and her family lived happily ever after, like in the stories. But what happened to the little man? Eh bien, regardez attentivement. Lorsque vous entendez des gens raconter de gros mensonges, parce que le gros mensonge demande toujours de gros paiements. Well, look closely. Whenever you hear people telling big lies, because big lies always demand big payment. La fin. The end. Okay, children, I hope you had so much fun listening to that interesting story, Tracassin. C'est l'heure d'apprendre les nouveaux mots. It's time to learn some new French words. On y va. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Earrings. Boucle d'oreille. Argent. Argent. Silver. So when you say boucle d'oreille en argent, silver earrings. Encore. Encore. Again. Encore. Encore et encore. Again and again. Vêtements. Vêtements. Clothes. Vêtements. Clothes. Crocodile. 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 Et le dernier mot, c'est repas. The last word is repas. And repas means meal. All right, let's go over the new words again. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Argent. Argent. Boucle d'oreille en argent. Boucle d'oreille en argent. Encore. Encore. Encore et encore. Vêtements. Vêtements. Crocodile. Crocodile et repas. Merci beaucoup. Don't forget ma ha ha. Qu'est-ce que tu as pour moi? Can we do that together? Ma ha ha. Qu'est-ce que tu as pour moi? Okay, children, that's it for us on Storytime with Tante Christine. Au revoir et à la prochaine. Bisous. La fin. The end. Okay, I hope you all had fun listening to that beautiful story of Tracassin, okay, and Sophie. All right, c'est l'heure d'apprendre les nouveaux mots. It's time to learn some new French words. Boucle d'oreille. Répétez, boucle d'oreille. Earrings, boucle d'oreille. Argent, argent, argent. Silver, argent means silver. Boucle d'oreille en argent. Silver earrings. The next word is encore. Encore. Répétez, encore. Encore means again. Encore et encore. Again and again. Vêtements. Vêtements. Clothes. Vêtements. Très bien. Clothes. The next word is crocodile. 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 And the last word for today is repas. Repas. And that means meal. All right, let's go over the new words again. Boucle d'oreille. Boucle d'oreille. Earrings. Argent. Silver. Boucle d'oreille en argent. Silver. Earrings. Encore. Again. Vêtements. Vêtements. Clothes. Crocodile. Crocodile. Crocodile.
Repas. Repas. Meal. Très bien. Okay, children, I hope you had fun learning new words in French. Please do not forget to practice. Okay, and do not forget to like and share so your friends can always join in to listen to Storytime with Tante Christine. Until I come your way again next week. Au revoir et à la prochaine. Bisous. See you same time next week on Storytime with Tante Christine. Bisous.